Bienvenue dans l'autre édition dans l'événement de J&M Sports. Comme nous connaissons, nous toujours pour des petits détails pour vous qui sont très importants. Et bien, l'édition aujourd'hui, nous allons parler de basketball, NBA en général. Et nous connaissons que NBA, nous capable de dire dernière saison, pas fini dans les gens que nous connaissons, dans l'époque que nous connaissons le basket commencé. La saison 2019-2020 a été finie en octobre. Saison 2020-2021 était fini en juillet à la à cause de problème corona. Mais n'empêche que NBA va retourner dans normal pour saison qui va venir là. Mais comme nous connaissons, semaine passée en haut, c'était NBA draft et puis après NBA draft, c'était NBA free agency. NBA free agency nous connaît que qui c'est période qui toujours plus chaud et qui toujours grand pile mouvement qui fait dans NBA. Mais grand pile mouvement qui fait avant draft, jour draft là et après draft dans free agency, il y a une équipe qui renforce, il y a une équipe qui perd du force dans course là. Et ben nous pourrons le couvrir pour vous dans opinion pas moi-même équipe que me capable dire qui sorti gagnant de NBA free agency de draft night jusqu'à ce que free agency vienne ouvert. Puis faut gros nom qui est en signé, puis faut monde qui t'a supposé signer au signé déjà. Mais il y a deux trois monde qui a été l'équipe et moi que l'équipe cap garder possibilité pour ta prendre monde ça. Et même nous pas élaborer plus si j'aime des zones sur qui équipe d'après moi-même qui fait bon acquisition pendant NBA free agency, qui équipe qui fait 0 sur 10 tout. On a pas supposé n'a tourner. Et ben NBA free agency depuis avant que le commencé, l'équipe qui était fait plus gros mouvement, c'était l'équipe Los Angeles Lakers qui était acquise en jeu de Russell Westbrook. L'étude a été faite. Qui était une surprise pour un peu le monde, mais qui n'est pas une surprise tout parce que Westbrook, qui c'est un petit monde qui fait California, qui lui-même était toujours en vie, venu jouer dans la ville en California. Et qui était en 2019, tu as fait check by Qualenet, le Qualenet Tabral signé dans l'équipe Clippers, que le dit Qualenet en un petit mot dans l'équipe Clippers, mais Qualenet était passé derrière, donc monsieur était prend Paul George dans l'équipe Okisia. Ça qui devient la cause, Westbrook était obligé de signer avec l'équipe Tabral transféré dans l'équipe Houston Rockets, l'équipe a marché un an après, Tabral vini dans l'équipe Washington, et qui encore, ça a marché un an après, monsieur trouvé dans l'équipe Lakers. Eh bien, après mon visa, nous capable dire les que c'est un bel move Eli, LeBron et puis Westbrook. Mais il y a une équipe qui fait move qui vient très important pour eux. Une équipe tant comme Miami Heat qui mettait qui prend Kyrie via un sign and trade, côté qui veut draguer Charlie avec deux trois autres pièces et on prend tout PJ Tucker qui sorti dans équipe qui sont champion équipe dans équipe Milwaukee et qui c'est un enjeu très important pour équipe Milwaukee. PJ Tucker qui c'était une pièce qui était plus important défensivement pour l'équipe Milwaukee. Et PJ Tucker pas hésité côté que Free Agency a commencé, PJ Tucker était tout signé un contrat avec l'équipe Miami Heat là. Est-ce que Miami, est-ce que Milwaukee a vrai dire pas de cas by PJ Tucker même contrat Will était capable, mais peut-être que il t'a pas plus difficile de jouer avec moins scope, mais monsieur a décidé d'aller pour 2 ans dans même Miami pour plus scope et je crois que ça c'est un bon tour pour Miami, un bon pièce pour Miami qui a un calorie avec PJ Tucker et il y a aussi l'équipe Miami qui a aussi des joueurs tant que Duncan Robinson et qui toujours gagne Tyler Hero, même les qui ont perdu Kendrick Dunn qui est allé dans les Lakers, mais l'équipe là plus ou moins avec deux monsieur ça plus ça qui était gagné déjà plus tu prends Marcus Morris qui était dans les Lakers tout équipe là plus ou moins là à montrer que il y a pension l'autre côté et qui pourrait mettre conférence est dans l'on plus grand position pour gagner challenge. Deuxième équipe d'après moi même qui gagne qui sorti gagnant là en free agency c'est équipe Chicago Bulls là qui non seulement il était prend Lonzo Ball on concurre ba Lonzo Ball un contrat de 485 millions et yo gagné DeRozan que yo prend dans sign and trade dans équipe San Antonio et DeRozan nous connaît que qui était avant free agency qui dit que lui ni fait cobre lui prêt pour lui jouer pour une équipe qui a contain mais est-ce que Chicago ka contain pas quoi avec les match Chicago gagné yo Zach LaVine, Lonzo Ball, Vucevic et puis DeRozan et puis yo prend Alex Caruso tout qui sorti dans Lakers qui c'est champion 2020 et yon gen Kobe White, yon pa ka champion, mais yon gen des moyens pour yon tabay problème.
des moyens pour tabay en pile problème peut-être que fini parmi les 4 5 premiers dans conférence en est là et puis pour nous garder qui ça qu'a fait et l'autre équipe qui sorti gagnant pour moi même c'est équipe Los Angeles Lakers là en pile monde critiquer joueur que les Lakers signé monsieur gain l'âge tant que les Lakers fait le retour de Dwight Howard Carmelo Anthony Trevor Ariza Wayne Ellington Monsieur gain l'âge c'est vrai il tourné avec ma Gasol tout que nous te gain petit doute mais n'empêche que gain talent c'est pas juste l'âge que gain talent so ça a dit équipe là ta supposé capable délivrer et yo gain des jeunes garçons que yo prend tout à coup en Malik Monk Kendrick Dunn qui était dans équipe en Miami en jeune dédi puis bonheur et yo gain deux jeunes joueurs que yo prend en dans Summer League là tout qui yo mettent dans équipe là qui dit Lakers gain des moyens pour li améliorer équipe là par rapport avec équipe année passée le seul problème que me capable dire que équipe là gain vraiment c'est que parmi tout monsieur ça par où on monte là vraiment pour t'as dit que c'est le bon ou bien il t'a blessé. T'as coupé saison passée qui capable step up et prend en porté productivité que next out a porté. Mais n'empêche que les Lakers ont belle équipe qui a fait un pile bagaille et nous gagnons autre équipe pour moi-même qui fait une belle acquisition qui c'est équipe New Jersey Nets qui prend pas des Mills et moi crois que pas des Mills parle pour ton plus pour négo mais nous j'ai tout Brooklyn Nets toujours manque en pile bagaille Brooklyn Nets gagne toujours gagne trois monsieur nous connaît qui ça trois monsieur représenter offensivement mais il y a toujours un problème size il y a toujours un problème big men en équipe qui a porter nèg qui parle ba nèg en pile problème pour saison que nous connaît si gagne l'autre monde que pour aller signer là qui pour aller capable couvrir tout vite ça pour mais équipe ça toujours gagne problème dans que nous connaît Blake Griffin retourner mais ça pour moi même pas passé pour combattre pour big men mais nous connaît na affaire cause talent trois monsieur ça ca mettre une équipe de un long match équipe pour moi même encore qui fait un bon acquisition qui sorti gagnant dans dans free agency nous gagne équipe New York Knicks là non seulement New York Knicks recambé même groupe là et New York Knicks a ajouté Kemba Walker sur ça que ont gagné et qui c'est pour moi une bagarre qui important pour équipe New York Knicks c'était un point guard pour te gagner un true point guard après que gagne Derrick Rose sorti sur bas so qu'on est là avec Derrick Rose Kemba Walker RJ Barrett Julius Randle Nerlens Noel et la trier New York Knicks qui n'ont position à jamais là pour les bail problème dans conférence là est-ce que ca champion pas vraiment mais c'est là qu'on bâti et puis peut-être qu'on ca attirer monde qui pour venir là caio et nous gagne équipe Clippers là qui kembe qui plia même Jean tout Paul George te gagne tant extension depuis année passée quoi l'année de signer le Jackson rete en dans équipe là et yo vinn prend tout Justice Winslow qui c'est un jeune joueur qui était drafté dans Miami mais à cause de blessure qui pas jamais gagne chance pour lui prouver dans la ligue là quoi que année ça si blessure pas limité monsieur ca utile l'équipe Clippers là en pile Batum re-signé yo gagne Ibaka cap tourner en bas blessure bon yo gagne sous back qui pas grand chose mais qui toujours là qui des fois les besoin li step up dans en pour équipe là so en ensemble c'est équipe ça pour moi même qui censé n'est capable dire qui gagner en free agency pour le moment. Bon, pas encore pour le moment parce que pas gagné sérieux sur marché encore. Équipe qui perdant. Bon, perdant free agency, c'est pour une équipe, c'est Dennis Schroeder qui les Lakers ont fait un contrat de 84 millions pendant la saison l'année passée, je t'ai dit non, il vaut plus que ça, ils sont joueurs qui vaut au moins 20 millions par année côté que tu as mis objectif pour le faire au moins un contrat 500 millions. Il me pas de prendre 4 ans, 84 millions dans les Lakers. Mais après performance monsieur dans playoff, marché free agency pas vraiment nice ensemble monsieur. Pas grand monde qui devait monsieur, les Lakers étaient engagés dans des trades avec des équipes comme Sacramento, était essayé offrir monsieur non sans pour les Lakers prendre Buddy Hill, je dis pas besoin monsieur et les Lakers lui même tout pas parler monsieur comme ça les Lakers pas besoin monsieur et c'est récemment là deux jours de ça que monsieur signé un contrat un an pour 5.9 millions avec l'équipe Boston hein? Et un an 5.9 millions ça dit monsieur c'est un pariage que monsieur fait sur tête là encore une fois parce que comme que le pas de prendre passé ça dit monsieur t'es parié sur tête là
vaut plus que ça me gal prouver les pour montrer pour me jeune ni mais ça vient pas marcher sur qu'on là encore une fois année ça là monsieur font pariage sur tête li me vaut plus prend pour 5 millions même va laisser montrer nous que me vaut comme ça mais est-ce que monsieur pral arriver gagner pariage ça je ne crois pas mais on rete suivre mais monsieur c'est plus perdant dans free agency deuxième perdant dans free agency c'est équipe Philadelphia pour moi même raison pour laquelle moi dit Philadelphia c'est une équipe qui perd ou gain Ben Simmons que après playoff là que en pile monde capable quasiment ouais que Philadelphia pas gain Ben Simmons en plan encore et Ben Simmons ni même tout montre que le pas soutenir dans équipe là parce que monsieur couper toute communication avec maman dans équipe là et par rapport avec conférence de presse que Joel Embiid te bail après élimination équipe là Dark Rivers tout ça ou car ouais que monsieur pas compter sur Ben Simmons mais monsieur ça revient perdre parce que yo qui aime Ben Simmons aujourd'hui, il m'a demandé trop pour être Ben Simmons. Côté que moi, faire connaître que mon GM qui dit que ça que Negro a demandé pour Ben Simmons, on va penser c'est James Harden, que Negro a tué. So Ben Simmons a mené Negro toujours. Pas une équipe qui parle bail ça que Negro a demandé pour Ben Simmons. Et n'empêche que Negro a signé Andre Drummond côté qui était Dwight Howard d'aller. On croit que Drummond pas plus bon que Dwight Howard et Drummond pas qu'à faire travail là, puis bien que Dwight Howard. Drummond qu'à prendre plus que bon que Dwight Howard dans moment ça là. Mais travail doit être fait par que Drummond qu'a fait. So Philadelphia son perdant. Non, marché free agency ça. L'autre perdant qui gagne dans free agency en capable d'équipe Milwaukee Bucks là qui eux même perdu PJ Tucker, j'en ai dit là et eux perdu un shooter de gagne qui tourne dans San Antonio Forbes qui t'a été négligé un peu. Eux perdu deux joueurs qui sont champion avec eux qui était important pour eux. Est-ce que ça a affaibli l'équipe là? Non pas qu'on est mais équipe là pral besoin plus bagay et se programme en pile dans monde qui dehors mais pas gain trop cob tout pour bay monde et l'autre perdant qui gagne dans marché fredentien c'est équipe Phoenix Suns là en pile monde doit saisir l'équipe Phoenix Suns raison pour laquelle moi dit Phoenix Suns c'est que ou perdu ou exactement fort perdu et ou pas chercher vraiment renforcer dans secteur que fort perdu a et retourner avec Chris Paul pour qu'il demande 10 millions en 3 ans. On ne peut pas oublier que on va jouer tout le monde blessé chaque année pour faire finale. Je crois que l'équipe a été de faire plus si on a une chance, mais on va jouer une chance de faire plus. So, on garde qui sont saison pas libre pour le moment moi-même, next on a liste monde qui perd du moins dans free agency. Hein. Mais puis gros gagnant free agency hein, c'est équipe New York Knicks là qui même avec Kemba Walker qui reprend, ça ba yo un gros plus. Et l'autre gagnant qui gagne encore dans free agency c'est l'équipe Washington avec Sakio jeune dans trade Kyle Kuzma Caldwell pour Montreal et puis on va le mettre avec Bradley Beal Thomas Bryant yo bon japonais dans l'équipe qui a joué très bien toute saison passée donc Washington parmi les gagnants yo on rete suivre et puis dans jeu cap n'a porté plus pour rapport avec free agency et puis équipe qui perdant équipe qui gagnant et joueur qui gagnant joueur qui perdant joueur qui gagne dans free agency capable de c'est Luka Doncic, Nerlens Noel, Trae Young, monsieur Sao qui font pile comme pour été à et ben perdant nous connaissons c'est Dennis Schroder et ben n'a porté plus nouvelle pour ça c'est ton l'autre fois encore dans l'épisode de J&M redmancher pour plus détails plus information qui va venir dans l'autre épisode qui va venir.